Thank you.
je vais faire les courses pour ma semaine dans la peau de ma Sims. Je voulais pas y aller avec mes parents. Je voulais y aller toute seule, sauf qu'au final, j'ai eu peur d'y aller toute seule. Du coup, j'ai demandé à ma soeur. Du coup, voilà. Du coup, j'attends ma soeur. Si elle pouvait se dépêcher! Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Jour 1, j'ai pété mon trépied. Du coup, heureusement que Amazon existe et que j'avais encore de l'argent sur mon compte. Parce que du coup, j'ai acheté le trépied. Et ce qui est bien, c'est que c'est plus un petit trépied. C'est un trépied qui peut aller loin vers le haut. Ce matin, le petit déjeuner, bah, c'était pas ouf en fait. Enfin, c'était bon, mais moi j'ai besoin d'un truc sucré. Et là, je fais un sandwich Monte Cristo et alors apparemment une sorte de pain perdu, mais un sandwich pain perdu. Je sais pas trop quoi y penser, mais on va voir. Et je me suis fait attaquer par l'huile, ça m'a brûlé, j'ai mis de la bière. Je reviens du coup sur le sandwich Monte Cristo où c'est un sandwich pain perdu. Sur la photo Sim, c'est dans la confiture de fraises et les fraises. J'ai pas de fraises, j'ai pas de confiture de fraises, mais j'ai des myrtilles et de la confiture de myrtilles. Alors, c'est ce que je vais faire. Pendant que le dernier est en train de cuire, je vais essayer, mais juste ça cuit dans l'huile, c'est tellement, tellement gras. On ne le voit pas. C'est trop bizarre parce que. On essaie de rajouter du sucre glace dessus. En fait, je comprends la pâte et tout, mais rajouter du sucre et servir ça avec de la confiture et des fruits, je comprends pas. Au début, genre, dans ma bouche, je suis en mode un dessert trop bon du sucre. Et ensuite, il y a le goût du jambon et du fromage qui arrive. C'est vraiment bizarre. En vrai, là, après en avoir fini un, bah, limite, vu qu'il y a du sucre et que j'adore le sucre, bah, je suis en mode. Bah, en fait, c'est meilleur avec le sucre. Alors que non, vu que mes papilles ont un peu de sucre, ça va. Continue, continue. Alors, aujourd'hui, on est mercredi. Je dois avouer que ce qui était prévu, je l'ai pas fait. Parce qu'en fait, j'étais très 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 fatiguée. Je me suis endormie avec mon téléphone. Et je me suis réveillée à 6h avec le réveil pour faire 2 heures de cardio selon ma Sims. Mais c'était pas possible. J'arrivais pas. J'étais trop fatiguée. Et quand je me suis réveillée, j'avais mal à la tête. Donc je l'ai pas fait. Donc on peut dire que j'ai échoué sur ça. Mais j'ai remplacé le cardio par du yoga. Les seules activités que je ne continue pas après les avoir filmées, c'est vraiment le danser. Non. Jouer à l'ordi, ça, il n'y a pas de souci. Lire, il n'y a pas de souci. Faire de la guitare, je prends toujours entre 1 heure et 2 heures pour faire de la guitare. Mais danser, non. Non, non. Mais voilà, et je sais pas ce que faisait ma Sims parce que le mercredi, vraiment, il se passait rien. Ça m'a se levé très tôt. Jouer à l'ordi. Faire du sport, faire des gnocchis que j'ai fait, c'était bizarre d'ailleurs. En fait, genre salé c'était bon, mais j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas très cuits. Je pense que je les ai pas assez cuits. Du coup, pour aujourd'hui, en fait, le problème c'est que ma Sims a fait des gnocchis à la courge à 8h. Et ensuite de la journée, elle n'a pas mangé. Donc, moi j'ai fait mes gnocchis à midi. Mais du coup, je suis en mode, est-ce que je mange ce soir ou pas? Voilà. Mais demain, je vais chez ma grand-mère, c'était pas prévu. Bon, blablabla, parce que je suis toute seule à la maison, j'ai envie de parler.
Presque à la même taille. J'ai réussi. Incroyable. J'ai réussi à élever le trépied jusqu'à sa longueur maximum. Putain, je suis plus petite que le trépied. Là, ce que je suis en train de faire, je suis sur ma Sims, je lui change juste ses vêtements pour que ça corresponde à ce que je porte aujourd'hui. Et je vais refaire les actions qu'elle avait faites dimanche pour pouvoir avoir un peu la copie exacte. Voilà, parce que en fait, porter les mêmes habits pendant une semaine, je pouvais pas. S'il vous plaît, non. Alors, on est jeudi, aujourd'hui pour le challenge. J'étais chez ma grand-mère. Du coup, je pouvais pas faire grand-chose. Mais Pearl a vomi sur mon lit ce matin. Et j'avais pas le temps de... En fait, j'avais pas le temps de tout changer. En même temps, je me dis si elle vomit pendant que je suis pas là sur mon matelas, ça va être chiant. Du coup, là, j'ai essuyé le vomi. Et là, maintenant, je vais changer mes draps. Et la semaine prochaine, je vais essayer de reprendre un rythme à la salle. Et je dis ça alors que dans 2 semaines, je vais commencer le boulot et je pourrai plus avoir ce rythme. Oh. On verra. Dans mon agenda juste ici, au dîner je suis censée manger du pain perdu, mais en fait j'en ai mangé hier. Sauf que demain je suis censée manger des macaronis, mais à 11h aller chez ma pote et manger des burgers le soir. Du coup, je me dis, est-ce que ce serait pas intelligent de bouger les macaronis à ce soir? Et demain, je mange chez ma pote. Et demain midi, je mange chez ma pote. Et demain soir, je fais des burgers. Parce que je pense pas que... Je pense pas que ce soit possible, en fait. Hein. Je sens que j'ai pas mangé assez de légumes cette semaine, alors que ça fait 2-3 semaines j'essaie de faire attention à ce que je mange. J'ai mangé assez de légumes parce que j'en ai besoin et ça me fait du bien. Et là que j'ai pas mangé beaucoup de légumes de la semaine, je le sens. Contente, mon père ne met plus sa veste en jean. Maintenant c'est à moi.